Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro, Amis Gémeaux, pour cette première salve de vidéos consacrées aux signes astrologiques. Alors, j'ai souhaité, pour cette grande première, aller voir avec toi ce qui allait arriver pour toi sur ce mois de juillet 2024. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, hein, on va aller voir les grandes lignes, euh, les messages que mes cartes veulent te délivrer. Alors, j'ai déjà euh, étalé les cartes pour ne pas perdre de temps et aller directement. Au message. Voilà. Ce sont les signes astro, il y en a 12, donc je vais au message. Alors, quel va être ton état d'esprit, euh, ami Gémeaux, sur ce mois de juillet 2024 La plume blanche, bah écoute, t'es dans un vrai renouveau, toi, dans ton état d'esprit. Euh, t'as envie de prendre un, un nouveau départ, toi, on dirait. T'as envie de quelque chose comme ça, de, de nouveauté. Euh, ou alors, t'as vraiment le sentiment de renaître, ou de, tu vois de laisser les regrets au passé, de. Euh, moi, je pense que tu es déjà dans une transformation, euh, tu as déjà engagé une transformation là dans ta vie, ami Gémeaux, et puis euh, bah, tu es en train de prendre ton envol, du coup, tu as envie de prendre ton envol parce que tu es en même temps en train de prendre ton envol aussi, je pense. Tu es dans un, un sentiment de renaissance avec la plume blanche. Quelle va être ta force sur ce mois de juillet le marais brumeux, bah la patience voilà va bah, prendre le temps d'attendre que les choses arrivent à toi se passent. voilà, laisser le temps au temps euh... parce que comme ça aussi ça permet que le brouillard se dissipe et puis ça te permet de mieux voir quoi pour agir. tu vois t'attends que le brouillard retombe de façon à pouvoir mieux voir et pouvoir mieux agir aussi avec cette patience. c'est ta force et puis tu suis. Euh... Tu sais suivre ton intuition aussi, tu vois. Pour moi, tu sais suivre ton intuition, tu vois, parce que là, cet oiseau, il est dans la brume et, euh, et il sait quand même se repérer, tu vois. Euh... Et il sait se repérer parce qu'il écoute son instinct. Et, et toi aussi. Quand, euh, quand tes repères peuvent tomber, etc., euh, qu'il ne te reste plus rien, on dira, ah, Enfin, non, mais enfin, tu vas écouter ton intuition. Je ne sais pas s'il ne te reste plus rien, pas du tout, mais si tu es perdu, si tu ne vois pas la route non plus, tu sais te montrer patient et tu sais suivre aussi ton intuition. Les deux. Voilà. Et ce à quoi tu dois faire attention, le magicien des bois, la concentration. Bah, de toujours bien rester concentré sur ce que tu souhaites, quoi, sur tes désirs, plutôt que sur ceux des autres, déjà. Tu vois, pour moi, ça, ça veut déjà dire ça, ce à quoi tu dois faire attention. Euh, et puis aussi te concentrer sur ce que tu veux plutôt que, ce, que sur ce que tu ne veux pas. Là, je te sens un peu plus focalisée sur... Tu vois, là, quelque part, tes pensées, elles vont plus à ce que tu ne veux pas ou ce qui ne réussit pas qu'à ce qui est dans ta vie réussi et ce que tu veux réellement. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que tu te fais beaucoup de nœuds au cerveau. As beaucoup, euh, tu, vois tu te concentres sur des détails pour lesquels tu, tu, enfin, tu, tu, tu ne devrais même pas prêter attention. Auxquels, pardon, tu ne devrais même pas prêter attention. Voilà. Et puis, fais attention aussi de ne pas trop te disperser. Tu vois, de toujours bien rester. Euh, Concentrer sur ton objectif, sur tes objectifs, sur euh, ce que tu désires, ce, ce que tu souhaites, sur la solution que tu souhaites trouver, sur tu vois Voilà. Bon, alors maintenant qu'on sait tout ça, au niveau professionnel, quel message pour ton mois de juillet Tu as le savant, ok. Bah, écoute, le savant, euh, encore une fois, moi, ça m'indique que tu écoutes ton intuition, tu vois. Euh, que tu suis, euh, que t'es quelqu'un qui aime bien suivre ses idées, tu vois, ses idées, euh, voilà, ses idées. C'est pour ça qu'on te demande de faire très attention à ne pas manquer de concentration sur tes idées profondes, sur tes désirs profonds. Il y a, à travers le savant, il y a des très très grandes choses qui s'ouvrent à toi, hein, pour lesquelles, euh, matériellement parlant, tu auras tout ce dont tu as besoin, tu vois. Euh, le savant, c'est une carte aussi qui incite à voir grand. Tu peux rêver grand, ami Gémeaux, au niveau professionnel. Ok, on continue dans le détail. Tu as la mort. Elle disent de bâton. Ouais. c'est la... Comment dire euh... Tu sais, euh, désormais, t étais tu vois, euh, t es en train d'affiner, tu vois, tu es en train d'affiner tes projets. En fait, tu es en train d'affiner tes projets à tes désirs et tes rêves les plus profonds, et puis à ce que tu veux et à ce que tu ne veux pas aussi, même si tu te focalises parfois trop sur ce que tu ne veux pas. Euh... Mais tu vas savoir euh, sur ce mois de juillet t'affirmer et puis savoir dire non. Quand c'est nécessaire de dire non ou de dire stop, parce que tu vas être d'une très grande lucidité, tu fermes une porte et tu en ouvres une autre aussi sur ce mois de... Sur ce mois de juillet, ami Gémeaux, au niveau professionnel. Et, et, et la porte que tu ouvres, il bah tu, tu, y aura un partage des responsabilités, tu auras plus autant de poids sur les épaules, tu vois. Tu pourras avoir des responsabilités, bien sûr, mais il euh, y aura une délégation de, tu vois, euh, des tâches, il y aura un partage du travail, il y aura. Euh, tu ne seras pas, et puis même toi, au niveau de, de, de ton mode de pensée, tu ne seras plus là à prendre des sacs à dos des autres, à te charger, à dire, bah oui, moi, à lever le doigt pour prendre le travail, tu vois. Euh, non, tu seras beaucoup plus euh, moins éreinté déjà et beaucoup plus à ta place, beaucoup plus à ta juste place. Euh, tu auras réussi à poser euh, des limites euh, dans ce nouveau chapitre. Et puis, euh, et, et c'est ce que tu as appris, cette fermeture de porte quelque part, à laisser les fardeaux derrière toi, les fardeaux des autres, ceux qui ne t'appartiennent pas. Rends-leur. Et toi, euh, voilà. Et toi, ouvre d'autres portes. T'es attendu ailleurs à quelque chose de grand. Avec une très très chouette réussite, une très très chouette abondance. Mais il a quand même en... fallu que tu en passes par là pour abandonner euh, cette mauvaise habitude aussi, peut-être, que de prendre trop de responsabilités sur tes épaules. Et de, voilà. Pardon, je vais retourner carte parce que maintenant je sais qu'elles sont à Ah bah ben non, elles sont là. Mince. Ouverture. Je les avais déjà retournées. Lutte. Et foule. Tu vois cette nouvelle porte Sur quoi elle s'ouvre Sur la fin du, des fardeaux et sur l'ouverture. Derrière se cachent des opportunités. Tu vois cette lumière qui se cache derrière cette porte Je ne sais pas si tu le vois bien. Tu vois, on, on, on pressent un superbe paysage avec euh, verdoyant, avec de la lumière. Euh. Il y a un déblocage avec une issue positive sur une situation. Et, et toi, sur ce mois de juillet, tu vas aller de l'avant Amis Gémeaux, pour pas laisser passer ta chance. Vraiment, tu vas la saisir, cette opportunité. Tu vas oser, tu vas y aller. Tu vas l'ouvrir, cette nouvelle porte. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose qui est lié euh, à la force de ton destin. Il y a nous, des nouveaux événements qui arrivent et, et c'est pas, et c'est voulu. C'est guidé. C'est quelque chose que tu es amené à faire. Donc, on t'y pousse, on t'ouvre la porte. Tu vois, cette porte, elle est ouverte. On ferme la porte, on en ouvre une autre. Et là, la symbolique, c'est l'ouverture d'une autre porte. Il y a un nouveau cycle, là. Tu entres dans un nouveau cycle. Tu mets le pied dans un nouveau cycle même, puisque tu passes à l'action. Après, c'est un nouveau cycle, malgré tout, où euh, il sera important que tu te positionnes fermement, tu vois, en y entrant. Que tu saches dès le départ délimiter tes limites aussi, poser tes limites, faire respecter tes limites, ne pas trop en prendre sur ton dos. C'est lié à toi quand même, tu l'acceptes, tu l'acceptes bien ça, te prend de prendre trop de responsabilités, trop de fardeau. c'était inhérent à ta personne parce que là il va falloir, pour toi ça va être une lutte que de définir ton cadre de référence précisément. Et de dire fermement, voilà. Puisque euh, ce à quoi tu dois faire attention, je te rappelle, c'est la concentration. Et puis je te sens euh, au milieu d'une foule, enfin je sais pas, il y a une effervescence autour, euh, au niveau de ton travail, il y a quelque chose, il y a, il y a du monde, il y a de l'agitation. Tu vas gagner ta place. Hein. Tu vois, c'est comme une clameur de public. C'est comme si hein, tu avais un public qui t'abledissait. Mais ce public, il peut peut-être être représenté par tous tes protecteurs de la visible, tu vois. Et euh, parce que, euh, quelque part, en ouvrant cette porte, tu vas peut-être être amené sur ce mois de juillet, ah oui, à lutter, à avoir de l'adversité face à toi. Mais c'est comme un test, tu vois, que tu vas réussir haut la main parce que tu es persévérant. Euh, parce que... Euh, Comment dire euh, oh, je... parce que oui euh, parce que parce que parce que tu t'es montré endurant et puis euh, parce que tu as fait les efforts qu'il fallait qu'il fallait faire, quoi. T'as mis euh, tu, tu vas mettre le, le, le coup de collier là où il faut le mettre, tu vois. Et cette foule, je le sens plutôt comme un comme une reconnaissance, tu vois, comme des applaudissements. À moins que tu aies un travail en lien aussi avec le public, hein, c'est possible aussi. Alors ensuite, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi sur ce mois de juillet, les enfants. Bah écoute, il, y aura une, ouais, ce, il y aura une question autour des enfants, peut-être de la garde des enfants sur un été, ou euh, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un euh, euh, qui a déjà des enfants et pour qui c'est très important euh, se relationner à ses enfants, euh, enfin, où la question des enfants est importante pour cette personne euh, Peut-être qu'en couple, il ben, y a, euh, voilà, il aura une importance de, de voir euh, euh, comment on fait avec les enfants. Peut-être que tu attends un enfant aussi et que c'est ce, ce mois de juillet est l'arrivée de la bonne nouvelle. Et euh, qu'est-ce qui me vient d'autre Enfin, tu vois, c'est euh, c'est un mois où euh, le thème enfant aura beaucoup d'importance. Voilà. Je continue. Pardon, je me bats avec une mouche. Tu as la force et la SDP. En tous les cas, euh, bah, si tu es en couple, même si c'est une nouvelle rencontre, ça peut très vite se transformer en quelque chose d'assez solide. Euh, où euh, vous vous faites confiance, où vous n'avez pas peur de vous dire ce que vous avez à vous dire. Euh, vous êtes très franc, très sincère, très honnête. Et puis, euh, ou quand il faut trancher, vous tranchez. Il y a une idée comme ça. Euh... Qu'est-ce qui me vient d'autre Je continue. L'été, ça tombe bien pour ce mois de juillet, le travail. Ah. Il y a quelque chose hein, quand même. Il y a. Euh... Il y a une décision qui, qui va se prendre autour d'enfants, par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a... et, et en même temps, cette décision, elle va se prendre en lien avec une nouvelle clarté, une nouvelle compréhension des choses, parce que cet été-là, au niveau... Enfin, en tous les cas, au mois de juillet, tu vas pouvoir profiter de l'été, profiter... Euh, tu vas être plus épanoui, revenir à toi, te régénérer, te, te mettre au soleil, euh, tu vas être en repos, être en vacances, euh, tout ce que symbolise l'été. Euh, et, et ça va te permettre, euh, non pas, tu vois, cette carte, elle symbolise réellement le travail, mais de faire un travail sur toi pour avoir une autre compréhension vis-à-vis euh, -vis de euh, cette question d'enfant. C'est une organisation autour des enfants, tu vois. Je vois des papiers aussi, on regarde à la loupe, etc. Et ça t'a demandé un travail sur toi, ça va te demander de... Ouais, un peu prendre sur toi, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Au départ. Et puis ensuite, il y a une nouvelle compréhension qui arrive. Et ça va te permettre euh, d'engager une action claire et de prendre une décision claire lucide, juste, et vu que tu n'as pas peur de dire à l'autre euh, réellement ce que tu penses, parce que tu le dis très calmement, je pense qu'on est dans un ordre d'idées comme ça. Voilà, bon écoute, euh, alors je vais aller te chercher des conseils pour chaque euh, item. Avec le petit oracle de marin et le petit oracle des plumes. Alors, pour nos amis Gémeaux, sur ce mois de juillet, quel conseil au niveau de leur professionnel, s'il vous plaît, sur ce mois de juillet les amis Gémeaux. Hop là, la voilà La magie du vent, libère-toi, rituel. Par ton venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux. <coughs> OK. <laughs> un à un. Emporter le doigt de toi par le flot de l'esprit du vent. Bah, tu vois, on me donne uh, une technique pour t'en libérer. Voilà, si tu veux prendre cette carte en photo, pour te libérer par le flot de l'esprit du vent. Pour te permettre de lâcher les fardeaux un à un. On va vraiment vers un nouveau cycle où tu vas les laisser derrière ces fardeaux. Hein. Ça, c'est clair, n'était précis. Et ensuite, bah, au niveau professionnel, pour mes amis jumeaux, pour mon ami. Voilà, la plume verte et rouge, cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard et les besoins matériels ne seront plus un problème, c'est ce que je te disais avec le savant. Il y a une richesse, il y a quelque chose à la clé, il y a quelque chose d'énorme, il faut rêver grand. Et ensuite, au niveau sentimental, quels sont les conseils là par rapport à ce que l'on vient de voir Oh là, il y en a beaucoup trop. Au niveau sentimental, alors, c'est quoi Au niveau sentimental. le sur ce mois de juillet 2024. Le combat des dragons n'est pas peur de la vérité. Tu vois La vérité. Avec l'as d'épée. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelques temps, tu le découvriras. Bon, voilà, hein, je te laisse ton hein, libre arbitre, je te laisse euh, prendre, euh, diffuser ce conseil. Hein. Il veut bien dire ce qu'il veut dire. Et euh, ensuite, dernier petit conseil des plumes pour toi sur ce tirage au niveau sentimental pour ce mois de juillet, ami Gémeaux. Tu as la plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu vois tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Eh bien, c'est ce qui met fin aujourd'hui à ce premier tirage pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter euh, pour me dire ce que tu en as pensé. Et euh, parce que ça me fait aussi très plaisir de te lire et de te répondre. Et euh, bah si t'abonner aussi, si ce n'est pas encore déjà fait, t'abonner à cette chaîne, hein, c'est facile, appuyer sur abonner, la petite cloche, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et je te remercie aussi, ami Gémeaux, de m'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.